السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on revient toujours vers l'enseignement de Sidney Cheikh Ahmed Tidjani رضي الله تعالى عنه. Cet enseignement qui, comme nous avons l'habitude de le dire, traverse les générations, traverse les frontières, et j'irai même jusqu'à dire, traverse les consciences. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots sur le calife qui vient de disparaître, Sidna Haji Mohamed Mansour, si, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah augmente sa maqama et qu'Allah fasse qu'il soit à côté de ses aïeux, de ses mashaïr, et tous à côté de ses neshahmad et tijan, radiyallahu ta'ala anhu, dans le barzakh de Sidney Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. C'est chaque fois qu'un événement pareil survient dans le monde en général, je ne dirais pas seulement dans la Ummah, je ne dirais pas seulement dans la Tariqa. C'est vrai que ça touche tout un chacun. Mais je l'ai dit l'autre jour à la mosquée, le prophète, il a dit que c'est extraordinaire le cas de musulman. In asabahu khayran, s'il lui arrive un bien, en tout cas du bien, il a une bonne nouvelle, shakara fa kana khayran, s'il rend grâce à Allah, s'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien pour lui et il a une récompense pour ça. Allah lui donne quelque chose, il lui arrive quelque chose de bien, il a une bonne nouvelle, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une récompense et Allah lui rajoute même parce qu'il a dit la in shakartum la zidannakum. Wa in asabahu sharrun, s'il lui arrive un malheur, un problème, une difficulté, il vit des moments de tristesse, et il a de la patience par rapport à cette situation, il a de la récompense, une récompense par rapport à ce problème qu'il subit. Donc, pour le musulman, c'est toujours, mashallah, des récompenses qu'il peut prendre de la part d'Allah. Et ça, c'est dans la sunna, dans la charia, mais dans la haqiqa, c'est encore plus d'actualité. À chaque fois qu'un parmi les mashayir disparaît, c'est vrai que c'est des moments de tristesse, mais il se passe beaucoup de choses dans le domaine du baptême. Et donc, c'est une occasion pour tout disciple, chaque disciple, à tout moment, partout où il se trouve, de retourner encore vers l'amour de Sidney Cheikh radhiyallahu ta'ala anhu. Parce que voilà un exemple, l'exemple de quelqu'un qui a vécu toute sa vie en aimant Sidney Cheikh radhiyallahu ta'ala anhu, en travaillant pour Sidney Cheikh radhiyallahu ta'ala anhu, et voilà la récompense qu'il a. Son jour de départ, le jour de son décès, c'est triste pour certains, pour nous tous même je dirais, mais pour ceux qui savent, j'ai dit pour certains, ça peut étonner quelques-uns. C'est comme s'il y avait des gens qui ne sont pas tristes. Mais ceux qui savent,
ceux qui savent lire ce qu'il y a entre les lignes, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité de comprendre certaines situations, alors c'est toujours, mashallah, une très bonne nouvelle. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente encore les lumières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintient dans la tarifa. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Il est décédé, on est triste. Et lui, il est content. C'est une bonne nouvelle pour lui. Il est content. Parce qu'il dit que, ah, ils sont tristes. Mais s'ils savaient seulement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, la récompense qu'Allah m'a donnée, tout le travail que je faisais, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. Et toute cette récompense, je ne pouvais pas la recevoir quand j'étais encore sur Dunya, sur terre. Il fallait mourir pour avoir, mashallah, cette récompense. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle pour lui, mais pour certains aussi qui savent. En tout cas, inshallah, on demande qu'Allah fasse que la baraka qu'il avait reste encore dans la communauté, inshallah, et dans la famille. Alors, j'ai envie de dire quelque chose. Sénéchal radiallahu anhu, il avait prononcé une phrase. Mais jusqu'à présent, c'est une phrase qui fait réfléchir beaucoup. Je ne dis pas qu'il perturbe beaucoup les gens, mais qui fait réfléchir. Il a dit qu'il y a 600 personnes dans la tariqa. 600 personnes dans la tariqa. Et à chaque époque, à chaque moment, il y a 600 personnes dans la tariqa qui ont un niveau exceptionnel. Et ces 600 personnes, ils ont la possibilité, mashallah, d'accorder la baraka qu'il y a dans la tarbiya. J'avais parlé de la tarbiya, peut-être un jour je reviendrai là-dessus. Alors, et le Nazim, c'est là celui qui a composé le livre, il dit Ta'ifatun min sahbihi law ijtama, une partie, certains parmi les compagnons de Sénéchal radhiyallahu anhu, si c'était réuni أقطاب أمة النبي المتبع صلى الله عليه وسلم. Il dit que si les أقطاب, les pôles les plus importants, les قطب les plus importants, ceux qui ont le plus de science apparente et cachée, ceux qui détiennent le plus de science apparente et qui détiennent le plus de science cachée, si tout ce monde-là, parmi les pôles, il parle des pôles, il ne parle pas seulement des gens qui sont des salihines, pieux, des gens qui sont pieux ou des gens qui ont la connaissance, ou même parfois wali, il ne parle pas de cela, mais il parle de al-aqtab, c'est-à-dire les pôles, les qudb. Il dit ta'ifatun min sahbihi law ijtama. Il y a une catégorie parmi les compagnons de Sidney Charles. Il dit que l'Ouistama, si c'était réuni, qui Aqtab Ummatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les Qudb, les Aqtab, parce que quand on dit Qudb, on comprend mieux. Mais le pluriel de Qudb, c'est Aqtab. Donc, les Qudb, normalement, on ne doit pas dire les Qudb, on doit dire les Aqtab. Mais je dis les Qudb pour qu'on puisse comprendre. Mais si tous les Qudb, Al-Qatab Ummatin Nabi al-Muttabi'a, tous les Qudb de la Umma de Sayyidina Muhammad, si tous les Aqtab, tous les Qudb s'étaient réunis, alors, ma wazanu shu'ratan min fardi, il dit qu'il ne pèserait pas, il ne pèserait pas devant un parmi cette catégorie-là. Devant lui, il ne pèserait pas la valeur d'un brin de cheveux. Mais c'est très grave cette parole.
ما وزن شعرة شعرة من فرد منها؟ Alors il se pose une question. فكيف بالإمام؟ فكيف بالإمام؟ ما وزن شعرة من فرد؟ Il ne peserait pas un brin de cheveux parmi une seule personne ou un seul parmi cette catégorie. Alors il dit Minha fakaifa bil imam il fardi. Alors il se dit, alors comment est-ce qu'on pourrait comparer ces khutbah par rapport à l'imam al-fard, Sidna Cheikh Ahmed Tidjane. Donc, dans la tariqa, il y a toujours, à tout moment, une catégorie. Et cette catégorie ne se trouve pas seulement dans un seul pays, dans une seule race, etc., etc. Il y a 600. Parce que dans le livre, il n'a pas cité le nom. Mais le nom, c'est Sénéchar Abdallah, nous qui l'a cité. Qu'est-ce qu'il a dit Sénéchar Abdallah? Waqad Zakara radiallahu anhu. Il dit que Sénéchar Abdallah anhu, il a dit, Wardahu wa anabi. Annal kumala ahl al-tarbiyati wal-irshadi min ahl al-tariqati. Al-kumal, ce qu'on dit, un wali complet. Kumal, ça vient de Kamil, ce qui est complet. Alors, un Wali Kamal, voilà. On comprend mieux Wali Kamal. Mais Al-Kumal, c'est-à-dire c'est le pluriel de Kamil, Kamal. Alors, il dit que dans cette tariqa, il y a une catégorie de personnes qui sont des awliya, des wali qui ont atteint un niveau exceptionnel. Yablughu adaduhum 600 min al-ins. Parmi les hommes, il y en a 600. Wa 300 min al-jinn. Et parmi les djinn aussi, il y en a 300. Donc, il y a 600 parmi ces catégories. Mais figure-toi, dans la tariqa, il y a des disciples tijani qui sont des djinns. Quand on fait la wazifa, la hadrat juma, ils viennent avec, même si tu ne les vois pas, ils ont leur chapelet, ils ont leur bonnet, masha'Allah, et ils disent la ilaha illallah quand il faut. Ils disent salatul fatih quand il faut. Ils récitent tawhatul kamal quand il faut. Et ils disent Astaghfirullah al-Azim al-Azim la ilaha illa wa al-Hayy al-Qayyum kaif. Alors c'est le Cheikh Rabbi Allah anhu, il dit, mais parmi les djinns, même s'il y a des disciples, tout ce que c'est le Cheikh Rabbi Allah anhu a dit dans la tariqa pour les humains, c'est valable pour les djinns aussi. Il y a des awliya parmi les djinns, mais parmi les awliya, il y en a encore 300 qui ont atteint un niveau exceptionnel. Et ces 300, ils peuvent faire tarbiya. Ils peuvent faire, mashallah, al-irshad. Ils guident les gens et ils orientent les gens en matière de zahir comme en matière de batin. Donc, à chaque fois qu'il y a là un parmi les 600 qui décède, il est remplacé à la seconde même. Chaque fois qu'il y en a, puisque le nombre de 600, ça ne diminue pas. À chaque fois que le ruh d'un parmi les 600 part vers le barzakh de Sénéchir Radiallahu anhu, à l'instant même, il y en a un qui est branché. Il est préparé, puisque, celui qui doit remplacer un tel, on ne le sait pas. Mais il y en a qui sont préparés
comme vous voyez une sorte de salle d'attente. On peut être dans la salle d'attente sans le savoir parfois. C'est Allah qui choisit qui il veut. Et mashallah aussi, c'est bien d'avoir, parce qu'on dit dans le livre, il y a un livre de fiqh, Ibn Ashir, on dit Yoshibu Sheikh al Masalik, Yaqihi fi tariqihi al Mahalik. C'est bien d'avoir un cheikh qui t'oriente, et parfois nos chers, parfois ils désignent. Ça aussi, ça existe dans la tarif. Ah, j'aimerais bien qu'un tel remplace un tel. Et c'est ce Inch'Allah qui décide. Sur cette phase-là, Inch'Allah, on y reviendra. Comment est-ce que un cheikh peut désigner quelqu'un pour qu'il rentre dans telle catégorie? Dans la tariqa, il y a des catégories et des catégories. Il y a plusieurs formes de catégories. Mais cette catégorie de 600 personnes, Inch'Allah, c'est Néchar en a parlé. Qu'Allah il fasse qu'on découvre cette catégorie. Inch'Allah. بارك الله بارك